Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, un épisode particulièrement excitant pour moi, puisque c'est la première réelle utilisation de mon poste MIG. Ce poste MIG qui m'a été envoyé par les copains de Céval France. Et après avoir galéré un tout petit peu pour arriver à trouver et à financer bien sûr la bouteille de gaz, avoir connecté le manomètre, etc., etc., je vais pouvoir commencer à m'y mettre. Et là, littéralement, j'en suis à peut-être la minute 4 d'utilisation de ce MIG. J'ai fait quelques tests à droite à gauche et je me suis dit, faut que je le teste en situation. Et là, la situation, ça va être de se faire un module pour pouvoir ranger mes tréteaux sur le mur plutôt qu'ils traînent à droite à gauche. Et donc là, c'est relativement simple. J'ai un bout de métal de récupération, j'ai un autre bout de métal tubulaire qui est aussi de la récup et que je soude dessus pour pouvoir poser mes futurs tréteaux. Le principe du MIG, c'est un peu comme un pistolet à colle, mais pour le métal, alors c'est un peu plus compliqué que ça, je suis d'accord. Mais là, c'est vraiment pour résumer. Vous inquiétez pas, il y aura des épisodes un peu plus spécifiques, justement, sur les types de soudure, donc le stick, le MMA, le TIG, le MIG, le MAG, pour vous faire comprendre tout ça, et bien sûr, un tout petit peu plus précis, spécifiquement, sur le MIG. Mais en fait, comme vous le voyez, ça a pris quelques minutes. Mes deux morceaux sont solidement soudés sur la plaque principale. Il me reste à percer quelques trous, histoire de pouvoir visser le module sur le mur. Et ensuite, je vais lui mettre un brin de couleur, parce que cette espèce de couleur un peu caca, je la trouve triste. Donc, je chanfreine un tout petit peu mes trous, et on va donner un petit coup de bombe. Ici, j'ai pris une bombe que j'avais sous la main, c'est de la Montana 94, et j'ai décidé de faire avec du jaune, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Donc un petit coup de bombe, et ensuite, pif, paf, pouf, on va installer ça sur le mur. En tout cas, première expérience très très concluante du MIG, et je pense qu'il va y avoir pas mal de petits épisodes qui vont arriver avec cette technique de soudure. Voilà, j'installe mon élément sur le mur, et c'est bon. Et littéralement, en 15 minutes chrono, j'ai réussi à me créer ce petit élément de rangement pour mes tréteaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. À très très bientôt pour de futurs épisodes sur le MIG. Faites des trucs et que la barbitude soit avec vous.